Maxar contre Hutter. Allez, jour 8, première partie. Je l'attrape, comment? Ouais. Je suis du plus petit. Ah bah quand même. Les pièces, et il va me sortir le longueur de couteau. Non, il sort rien. Tant mieux. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Au rapport. Économisation des cartes. Le problème, c'est que le paladin, il y a des gros trucs à gérer. Je me demande. Et il peut soigner beaucoup. Vous aimez jouer avec le feu ? Ouais. Au rapport. Bon, de toute façon, je sais lequel c'est. Problème arc, taper dedans, c'est pas terrible. Faire remonter. Lui, je voudrais pas qu'il remonte. Pas super optimiste, mais bon. De toute façon, je voulais pas qu'il fasse remonter le... je vais arriver le pyromancien. Bon, je suis à deux tours de pouvoir mettre la grande crinière. Donc bon. Et là s'il met un truc un peu costaud, j'ai ça plus ça. Ok, il face. Ouais, j'aurais pu attaquer, mais bon, c'est pas... Je suis pas un tour près. Prochain tour, grande crinière. Quelqu'un a des bombes ? Mmh. Faut que je fasse gaffe, hein. Égalité consécration. Bon, il a une main pleine, hein. Ça c'est pas terrible. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Alors là, il aura normalement, il doit avoir garde pédale d'or. Ça m'étonnerait pas pour me réduire à 1 l'attaque. Non, il fait une égalité. Là, il fait consacre derrière. S'il le fait là, ça veut dire que pas sûr qu'il ait la deuxième en main, donc je vais tenter le Troxor. Hein. Ah, quoique ça, ce serait pas mal. Dans le cas où... Les chiens sont de sortie. S'il a le deuxième, bon ben, il l'aura utilisé le deuxième. Je
Ouais. Bon bah c'est bon, j'ai gagné. Bien joué. Chasse seul. Ok, bon c'est bien passé sur ce paladin. Allez, jour 8, deuxième partie, encore un paladin. C'est le deuxième. Je commence encore. Piège givrant, j'en veux pas. Le compagnon, je veux le garder. Oh d'accord. Je me demande si j'ai des des tisseux, je les ai jamais tourés, c'est marrant. Entrez. Casser. Ah ouais, c'est vrai que j'ai des gnomes lépreux. Je les vois pas souvent en fait. Alors. Laissez-moi réfléchir. C'est un tour 2. Tu dois agir, et vite. T'as, c'était déjà ennuyé tour 2, à savoir quoi poser, qu'est-ce que ça va être au tour d'après ? Ok. Waouh, j'ai eu la charge. Miracle. Il a l'air d'être là parce que les cartes elles bougent. Donc là il va falloir qu'il se dépêche à jouer. Je sais pas ce qu'il fait. Oh ben. Je sens la consécration. Hein. Alors soit il a plus accès à son truc. Soit il y a un problème. Mais il est considéré comme pas là. Si ça y est, il va essayer de jouer un truc. Ben non, loupé. La victoire, bon. Je sais pas ce qu'il a fait, mais... Moi, ça m'arrange. Hein. J'aime bien les parties comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est à chaque fois avec le chasseur, hein, les parties comme ça. Hein. C'est impressionnant. Allez, partie suivante. Rexar contre Kuldan. Allez, jour 8, troisième partie. Ah déjà c'est quand même mieux. Bon c'est encore moi qui commence. Déjà j'ai au moins un tour 2 en main. Et un petit lâcher les chiens. Ok. Oh un petit gnome lépreux d'entrée de jeu. C'est pas mal. Allez. Ah. Vol de main. Je sens que ça va être un unlock. Je sais pas pourquoi. Parce que vol de mort, souvent c'est unlock ou quoi ou demon lock peut-être. Non, d'accord, c'est un. Ça m'embêterait de le gâcher. Parce que là le problème, j'en ai deux qui me permettent de le tuer. Parce que je pense qu'au prochain tour, il va nous faire un joli implosion. Implosion. Je vais plutôt lui détruire. Ça.
Comme ça, son implosion n'aura moins de valeur. Et derrière, je peux la contrer avec un lâcher les chiens. Venez vous battre, vermine! Il a tapé fort. Non, il va la casser, parfait. Ça va me faire piocher de la carte, ça c'est pas mal. Joignez-vous à nous ou mourrez. Ou les deux. Voilà. Bon là, je pense que de toute façon avec la 2-1, il va les taper dans la 4-2. Hein. Ça, c'est normal. Mais bon, ça m'a permis de remonter ma main assez facilement. Ok, bon je peux chouette, ce serait bien, c'est tout dépend ce que je vais tomber là dessus, ou alors je peux chouette ça et mettre des dégâts, on va chouette la plus costaud. J'ai toujours le lâcher les chiens qui est là, qui permettra de réduire l'implosion. Mais bon, là, c'est fait. Ouais. Je pense qu'il va taper avec la 2-3 dans la 2-2. Ok. Je peux pas le jouer. Bon, j'ai l'arc. Il fait 8. Ok, il doit avoir un démon en main. Il full face. Alors, bon, la grande crinière. Il a 4 créatures. Je peux arriver à lui en tuer quasiment toutes. Alors, en espérant avoir la bonne. Bon, j'ai eu la 4-4, c'est déjà pas mal. Alors on va lui éliminer celle-là. Ah zut, c'est l'explosif, ça m'arrange pas. Je pense qu'il va me sortir. Là, j'ai rien pour gérer. Mon bouclier pour Argus. Ouais, là, je vais jamais pouvoir arriver à passer. Quoique si ça va exploser. Non, c'est quel démon qui va sortir? Ok. Bon, c'est moins grave. Celui-là me gêne moins. Bon, de toute façon, il va me mettre la pression.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De toute manière. Je me demande. Donc il est obligé de gérer la 2-2. Comment il arrive à gérer les deux? Oh dommage. Attends. Non. J'ai pas assez de mana. Ça va être dur. Ça va jouer à pas grand chose. Hein. S'il a la... Non, c'est bon. Oui. Oui. Ouf. Ok, je passe 16. J'espère que je vais arrêter de faire yo-yo entre 18 et 16. Ok, allez, fin de cette partie. Rexar contre Rexar. Allez, 8ème jour, 4ème partie. Je vous traquerai. Bon, ça déjà, c'est pas mal. J'hésite le tir réflexe. J'ai encore pas la pièce. 4 parties, 4 fois pas la pièce. J'hésite vraiment le tir réflexe pour pouvoir gérer un truc autour de 2. On va garder. Parce qu'à mon avis, il va jouer. Il pourra jouer. Ah, ok, le piège explosif est pas mal pour le tour 2. Jongleur de couteau. Ils non. Vont voir ce qu'ils vont voir. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire? Pièce? Face? Non, il veut le silence, ok. Il va taper avec le sien. Non, il me tape moi. Non, il tape lui. Décide-toi. Je pense que c'est l'explosif. Voilà. Gagné. Et dans deux tours chez la grande crinière. Lui il a toujours sa pièce. Hein. Je crois qu'il a pas utilisé. Quoique. Non, je crois qu'il a pas utilisé. Ah si, il a peut-être mis le. Si si, il a mis le savant. Alors il va me face, je pense. Alors, vas-tu utiliser ton arc sur ma 2-2?
Ça va, il coûte combien quand il revient dans la main? 3, donc il va coûter 5. Autant il va le relancer, donc il va exploser. Là, il doit pas savoir, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Ah mince! Je pensais pas qu'il exploserait tout de suite. Normalement, il devrait pas, il n'y a plus de créatures en face. Ok, bon. C'est l'inverse alors. Je me suis fait... J'avais cru. Oh super, ça c'est de la créature. Ah, j'avais pensé que comme il n'y avait plus de créatures, il n'aurait pas déclenché le piège. Bon, c'est pas grave. J'étais persuadé que c'était... vu que... quoique, c'est une créature attaque, donc il fait les deux. C'est que s'il n'y a plus de créatures, qu'il fait plus le renvoyer dans la main. Il fait d'abord le piège d'explosif, et s'il n'y a pas de créatures, il fait rien. Oula. C'est explosif ou ça renvoie dans la main? C'est ça le problème. Je me demande. Tendu. Mais bon, qu'elle soit 1-1, ça m'arrange. Monsieur Boom. Oh merde, faut que ça aille sur moi. J'avais un doute, c'est le détournement, ok. Les chiens sont de sortie. Pas de bol, hein. Il y avait quand même 4 cibles, enfin 3 cibles, enfin oui, 4 cibles me comptant, et faut que ça me tape moi au lieu de taper les créatures. C'est franchement... pas de bol. Ouf. Là, il faudrait que ça soit sur la grande crinière. Il arrive à me le tuer. Il a ce qu'il faut. Zut, c'est la 4-4.
Bon, faut que j'ai mon deuxième ordre de tuer. J'ai ma grande crinière, zut. Non, je fais que 6 points de dommage. Donc je ne peux pas gagner cette partie, malheureusement. Allez. Bon. Pas de bol sur le tirage. Enfin, sur la fin. J'aurais pu avoir encore un truc qui me faisait gagner, mais non. Allez. Changement de deck. Ok, 8e jour, 5e partie. Vous l'avez cherché. Non, si je vais pas le garder en main parce que je vais vite descendre en point de vie. Non, il me faut d'autres choses. Ouais, déjà le savant fou, c'est pas mal. Après, il faudra que ça soit le soin. J'ai encore pas eu la pièce. 5 parties, 5 fois, je n'ai pas eu la pièce. Travail terminé. Bon, tour 2, tour 3. Je vais la charge. Non, il peut arc. Ok. Non, c'est le dupliqué. Mon Torisan. Allez, qu'est-ce que je vais avoir? Oh! On va le garder pour plus tard, ça. Pour un joli Flame Strike à 5 au cas où. Si j'en mets un. Va-t-il utiliser son arc? Les chiens sont de sortie. Je repose une, hein, c'est juste pour qu'ils viennent taper dedans. Pour qu'il y ait du board. Prochain tour, Torisan, je pense. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ici. Oh, faut qu'il ait la 4-2. Hein. Ah, c'est bon, il me gère. C'est pas trop grave. Torisan un tour, ça va être pas mal quand même. Hein. Ça va bien me réduire tout dans ma main. Bon, ce qui serait cool, ce serait d'avoir des secrets qui arrivent. Mes pioches aussi. Parce que j'ai déjà l'écho de Medivh, il manque plus que les géants après. La Kezan aussi serait pas mal. Je lui volerais son secret. Oh. Oh bah tiens. Bon, le petit mouton qui va servir. J'ai pas de secret pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur Boom. Ouais, on peut garder. Je l'éliminerai ces bombes un par un.
Ou selon s'il pose un peu de board, on lui fera un ras du board complet. Voilà. Donc là, ça va bien servir le... Ah, pas mal, bien. Prochain tour. Nous avons soif de vengeance. Le Talnos qui a bien aidé, là. Bon, maintenant, il serait temps que les géants arrivent. Oh, un petit coup d'Alexstrasza. Où je me soigne d'abord. Bon, je vais peut-être me soigner d'abord. Accueillez la lumière. 3. Je me les renvoie en main ou pas? J'hésite là. Ah, c'est bon, c'est que c'est un explosif en face. Hein. Mais je crois qu'il a pas compris que je vais pas attaquer en fait. Bon, j'ai... Oh, bah on va lui en voler un tout de suite. La lumière est juste. Oh, je lui vole le givrant en plus. Donc il lui reste plus que l'explosif. Pour 6... Accueillez la lumière. On en repose une. Je pense que ça va être très dur pour lui, parce que je récupère 12 points de vie par tour. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. La lumière brille. Les chiens sont de sortie. Bon, je pense qu'il va revenir dans la main. Voilà, parfait. Ok, bon, ça s'est plutôt bien passé. Ok, bon, pour une fois, il a bien tourné. Ça faisait longtemps. Ok, ben, fin du 8e jour.